Avoir une néo-assurance dans l'habitation et surtout éviter la paperasse. Eh bien, c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une néo-assurance française qui est dans le domaine de l'assurance habitation et qui se nomme Luco. Je vais aussi te partager ma petite histoire et mon avis puisque j'ai déménagé l'année dernière et en fait je me suis procuré une assurance habitation avec ma banque traditionnelle. Pour rappel, une assurance habitation est obligatoire en France. L'objectif de la néo-assurance est de rendre la procédure beaucoup plus simple, plus rapide, plus transparente et aussi 100% digitale. Peut-être que tu as dû déjà en entendre parler de Luco, parce que en fait ça devient de plus en plus connu. Cela me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui une néo-assurance et ça me fait vraiment penser aussi à quand je te présentais les néo-banques. Alors j'ai commencé à t'en présenter en 2017, des banques mobiles. Parce qu'en fait, quand on regardait un petit peu les banques traditionnelles, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une banque traditionnelle où c'est pas si souple que ça. On va se retrouver avec pas mal de frais cachés. On va se retrouver aussi, je trouve, avec une lenteur au niveau des procédures. Donc, c'est pas si rapide que ça, etc. Et l'arrivée, en fait, l'émergence un petit peu de ces banques mobiles ont changé beaucoup de choses. En tout cas, moi, je suis vraiment très content, de ces néo-banques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, commencer à voir des néo-assurances arriver sur le marché, dont ici dans le domaine de l'habitation avec Luco, ça ne m'étonne pas. Au contraire, franchement, je trouve que c'est plutôt attirant et ça donne envie de commencer à jeter un petit coup d'œil et de tester. Je vais aussi te faire partager un code de parrainage sur l'écran qui permet aussi de profiter de 2 mois gratuits. Donc c'est toujours quelque chose à prendre. Et honnêtement, c'est flagrant. Quand on va regarder par exemple ici l'ancienne assurance habitation que j'ai eue avec ma banque traditionnelle. Alors déjà, quand on va aller, j'ai l'impression d'avoir un bouquin avec plein de petites choses et tout. Alors en plus de ça, il te file tous les documents le jour J à signer, donc en fait si tu veux sur place, et donc forcément t'as pas le temps globalement de tout lire. Moi, vu qu'il y avait le déménagement et plein d'autres choses, en fait je me suis précipité à tout simplement signer le papier, à l'envoyer rapidement à l'agence parce que faut que ça se fasse rapidement, sans vraiment lire en fait finalement le contrat d'assurance ici avec ma banque traditionnelle. Et en le lisant alors récemment, puisque cette assurance d'habitation elle date d'un peu plus d'1 an, je me suis rendu compte que c'était pas si intéressant que ça. Et quand on regarde juste par exemple ici, c'est flagrant, avec Luco, voilà, donc on a tout simplement 3 pages, en fait on va voir les éléments les plus importants. Donc là au moins ça te montre, c'est clair, tu sais déjà dans quoi tu pars. Ici on va voir donc l'offre et surtout là on va voir en fait simplement garantie ici de l'offre, donc on va voir les garanties. Les franchises, que ici on va me résumer en quelques lignes et puis après il faut tourner d'autres pages pour revoir d'autres lignes, etc. Les plafonds, très important aussi. Et puis ici on va voir donc les services ainsi que les conditions. Nous allons voir ensemble les caractéristiques, la présentation de la plateforme, l'offre de Luco, le Dr House, j'adore le nom. En fait il s'agit d'un appel visio avec un expert où tu vas faire le tour de ton logement, de toute façon je vais te montrer ça juste après. Et il va aussi te donner des conseils et te faire un rapport en PDF que j'ai aussi, que je vais te montrer, tu verras, c'est vraiment un truc de fou. Allez, j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques. D'ailleurs le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. Luco est la première néo-assurance en France qui comptabilise déjà plus de 200 000 assurés et elle a été créée il y a 3 ans. Tu peux obtenir donc un devis Luco en quelques minutes, donc c'est plutôt rapide, pour pouvoir vraiment personnaliser ton contrat. Alors bien entendu on va retrouver une application qui se nomme Luco et qui est gratuite et qui est disponible sous iOS et sous Android. D'ailleurs aussi sur l'application tu vas pouvoir accéder à pas mal de fonctionnalités. Ils peuvent aussi résilier ton ancien contrat et ils proposent aussi aucun engagement. Alors là j'insiste vraiment sur le aucun engagement, c'est une bonne chose. Pourquoi Christo? Parce que moi, j'ai eu un engagement d'au moins 1 an avec ma banque traditionnelle. C'est-à-dire que là, j'étais engagé pendant 1 an et je pouvais pas changer. Donc forcément, il a fallu attendre 1 an pour pouvoir résilier et pour pouvoir par la suite, en fait, prendre un nouvel abonnement d'assurance habitation. Le service client disponible 7 jours sur 7 avec une réponse moyenne de 2 minutes et un remboursement rapide puisque tout se fait depuis l'application Luco. Et c'est ce que je t'ai dit, c'est vraiment ici l'objectif, c'est la néo-assurance, un petit peu comme ce que je t'ai dit juste avant avec les néo-banques. Ici l'objectif, voilà, tout va se faire et tout est centralisé depuis ton smartphone. Prendre à tout moment un appel visio avec un expert, c'est-à-dire que l'offre elle est comprise dans le contrat.
En fait, tu vas faire un check-up de ton logement et il pourra te conseiller. Tu peux aussi lui parler si tu as un projet de rénovation ou de réaliser des petits travaux. D'ailleurs, je vais te montrer juste après. Bah, en fait, j'ai enregistré tout simplement l'appel visio que j'ai eu avec un expert de chez Luco qui m'a. On a fait un petit peu le tour de la maison pour voir si tout allait bien ou s'il n'avait pas des petits conseils à me donner. Depuis l'application, tu vas retrouver un réseau d'artisans notés et validés par les assurés. On trouve sur leur site internet Luco, la néo-assurance habitation, et bien numéro 1 en France. Exigez le meilleur pour votre foyer. Une assurance enfin simple, transparente et 100% personnalisable. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire obtenir mon prix, donc au final un devis. Comme ça, je vais vraiment te montrer que les process sont vraiment très simples. Mon adresse, je fais donc suivant. Alors ici, donc, on va se retrouver avec quelques questions. Donc, est-ce que moi, actuellement, je vis dans une maison, dans un appartement ou dans un immeuble? Ici, êtes-vous locataire ou propriétaire? Donc, moi, ici, je suis locataire. Là, tu vas voir, ça va être très, très intéressant. Alors, je m'assure pour 15,34 euros par mois. Alors là, quand je vais regarder, donc tu vas voir déjà, je suis couvert à partir du 8 janvier, donc ici 2022. On va voir toutes les informations. On va voir le logement à gauche. Alors bien entendu, je vais mettre en noir concernant mon adresse. La superficie, 89 mètres carrés, 4 pièces, résidence principale, je suis locataire. 15,34 euros par mois ici, donc ça va représenter 184,09 euros par an. L'assurance d'être bien protégé et bien remboursé en cas de pépin. Donc ça aussi c'est important aussi forcément d'avoir une bonne assurance, parce que en cas de pépin de pouvoir être assuré. Et quand on va descendre, c'est ça que je voulais vraiment te montrer, c'est que tu vas pouvoir personnaliser. C'est-à-dire que là, quelle est la valeur de vos biens? C'est-à-dire que globalement, imaginons si estimer la valeur de vos biens indépendant de la structure du bâtiment, donc meubles, électroniques, électroménagers. Possédez-vous donc des objets de valeur? Là aussi on va pouvoir personnaliser, c'est-à-dire la collection, bijoux, instruments de musique, home cinéma, autres trésors. Alors imaginons, je vais cliquer sur home cinéma. Donc là on va descendre ici, donc là tu vas pouvoir voir que tu vas pouvoir modifier et rajouter donc ici une valeur supplémentaire donc dans home cinéma. Et bien entendu tu vas pouvoir modifier ta franchise, c'est à dire tu peux prendre une franchise qui est basse, par contre ça va augmenter comme tu peux le voir en haut à droite l'abonnement. Ici on est à 20,96 €. Par contre si je mets la franchise tout en haut, donc ici à 300 €, donc la franchise la plus élevée en tout cas de chez Luco, et bien forcément ici je m'assure pour 14,16 € par mois. Donc forcément l'abonnement mensuel est plus basse. Alors pourquoi Christo? C'est très simple, parce que en fait ici c'est la franchise. C'est à dire que si jamais il y a un pépin, alors imaginons une fuite d'eau. Et bien une fuite d'eau, si tu prends à 300 € de franchise, c'est à dire que une fuite d'eau qui sera égale ou supérieure à 300 € ici, et bien sera remboursée par la suite par Luco. Alors par contre si tu mets 75 € de franchise, donc en fait toute opération qui sera égale ou supérieure à 75 € sera remboursée par Luco. Tu auras le minimum légal, fumée et incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile, tempête et catastrophe naturelle, enfin voilà, tu vas te retrouver vraiment avec toutes les informations. Tu as aussi la couverture étendue, les autres garanties essentielles pour être bien protégé, donc là c'est activé, tu peux le désactiver, enfin voilà. Globalement je vais te montrer ça parce que en fait tu vas pouvoir personnaliser énormément de choses. Une fois que tout est fait, tu auras le récapitulatif de mon offre d'assurance habitation ici Luco, voilà, avec tout simplement le petit récapitulatif, le contrat en lui-même, le capital mobilier, objet de valeur. Quand on va descendre, on aura forcément ici garantie de l'offre esprit en paix, avec les franchises que moi j'ai pris ici de 225 €, les plafonds, donc il y aura tout ça qui sera détaillé, ce que je t'ai montré aussi physiquement que j'ai imprimé de mon côté, qui est envoyé automatiquement sur ton adresse mail en PDF. Et on se retrouve donc sur l'application mobile qui est vraiment très simple et intuitive. Comme tu peux le voir dans Accueil, en fait il y a une bonne chose, une petite fonctionnalité qu'ils ont rajoutée, c'est suivre ta consommation électrique tout simplement. Et c'est vrai que j'avais pas vraiment d'aperçu de ça, et là le fait de l'avoir en quelques clics sur leur application, eh bien c'est une très bonne idée. Donc comme tu peux le voir, voilà, je vais pouvoir voir ma consommation, voir sur un an, sur même 30 jours au final, voir que si je consomme pas plus à un certain moment donné. En plus de ça, j'ai un petit jacuzzi, donc forcément ça consomme pas mal, et je vais pouvoir vraiment suivre ma consommation, et c'est une bonne chose. Voilà, alors on va aller dans assurance et on va regarder ça rapidement, puisqu'on aura donc l'onglet contrat avec forcément ici résidence principale avec mon adresse, donc le contrat que j'ai aujourd'hui avec Luco, 15,34 € par mois, garantie étendue, bénéficiaire Christopher Morfin, et la bibliothèque, c'est à dire que j'aurai tous mes documents qui sont centralisés dans l'application et qui sont téléchargeables bien entendu en PDF. Et ça c'est pas le cas
cas partout. Je te dis ça bah, parce que j'ai galéré à retrouver mon contrat d'assurance habitation avec ma banque traditionnelle. On va regarder dans assurance, j'ai une urgence, j'ai déclaré un sinistre Luco, de l'eau coule chez moi. Là globalement en fait tu vas pouvoir renseigner si jamais t'as un souci, et depuis l'application en fait tu vas pouvoir avoir tes réponses et ou répondre tout simplement à certaines problématiques. Alors on va aller dans artisan. Artisan globalement ici, donc réparer mes appareils, vérifier ma chaudière, réparer une fuite, changer de serrure, changer une fenêtre à partir de 450 €. Donc là globalement en fait on va faire appel au réseau un petit peu Luco. Ils ont certifié des artisans et là ça peut être vraiment intéressant bah, parce que ça va te permettre à toi et eh bien directement d'avoir confiance à un artisan. On se retrouve tout de suite donc pour l'appel que j'ai eu avec un expert de chez Luco pour un diagnostic 360. Tu vas voir, eh bien ça va être plutôt intéressant. Oui, donc, bonjour. Enchanté. Bonjour, enchanté. Donc on a 20 minutes donc pour faire un petit check-up de votre logement, pour optimiser le bon état de votre logement. Hein. Voilà. On va regarder sous l'évier, hein, donc je vous invite à me montrer le siphon qu'il y a sous l'évier. Ah, qu'est-ce donc, que je vous montre sous l'évier? Bah, le siphon, pas, voilà, le siphon, et vous touchez avec la main pour voir s'il n'y a pas de souci au niveau de l'humidité, des choses comme ça. Mensuellement, il faut regarder un petit peu, voilà, donc là tout est bon. Mensuellement? Oui, mensuellement. Hein. Bon, après ça, okay. c'est un conseil que je donne. Hein. C'est vraiment un titre, titre préventif. Hein. Ok. Un peu lent, voilà. Ouais. Voilà. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est parce que est-ce qu'il est bien serré votre siphon, ou est-ce que vous l'avez nettoyé récemment? Oula, ouais, il est bien sale. Non, moi, j'ai pas nettoyé. Par contre, ouais, il est. Voilà. Ah oui, bah parce que vous savez pourquoi? Bah, je pense qu'il y a quelqu'un qui avant vous a purgé, parce que ça, c'est la petite partie qui permet de dévisser pour voir quand il y a des choses qui obstruent l'écoulement. Donc ouais. Ça. Donc là, c'est, à mon avis, ça a été dévissé, revissé et pas nettoyé. Hein. Les ventilations dans votre cuisine, voilà, c'est bon, on a checké le bas. Bah, ventilation, c'est quoi c'est ah ça, voilà, ou, c'est ça, oui, la ventilation ouais. Mécanique, ouais, donc elle fonctionne, vous n'avez pas de problème d'humidité ou de moisissure. Non, elle fonctionne bien, mm-hmm. Bon, elles sont neuves et tout, après peut-être qu'il faut que je passe, est-ce qu'il faut que je nettoie, faut que je passe un coup de temps en temps aussi? Oui, bah, c'est comme, oui, c'est comme tout, comme vous voyez, parce qu'en fin okay. de compte, il y a toujours un peu de poussière, parce que vous vivez dedans, donc qui s'accumule. Vous savez que par exemple ici, après c'est tout petit, hein, ça craque à certains endroits. Oui. Et simplement, ça c'est simplement que malheureusement le peintre là il était un peu distrait, il a mal préparé le support. À mon avis, il a mal poncé et donc la peinture elle adhère pas bien en dessous. D'accord. Et on voit bien que il a essayé de. Vous avez vu, il y a plusieurs fois il a fait des reprises. Donc là la peinture est craquelle parce que le support est mal préparé. Mais ça c'est rien. Hein. On va regarder très rapidement le compte rendu que j'ai eu donc avec l'expert qui en fait simplement bah, va me donner voilà le petit compte rendu qu'on a eu au téléphone bah, parce que peut-être il y a des petites choses auxquelles j'ai oublié et comme ça permet aussi et eh bien d'avoir quelque chose assez sympa là en PDF et de pouvoir rechecker à tout moment ou bah, par exemple là de montrer au propriétaire bah, si certaines choses bah, qui ne sont pas vraiment de mon ressort bah, qui voilà peuvent être au final améliorées. Alors là par exemple ici porter le système de fermeture, rien à signaler, tout semble fonctionnel, système électrique, rien à signaler, plomberie, réseau sanitaire, contrôler mensuellement les siphons, donc ça c'est quelque chose d'important que je ne savais pas, vérifier le branchement de la machine à laver, donc ça a été fait. Alors comment démonter, remonter un siphon. Donc là on a un petit tuto et en plus de ça tu vois qu'en fait il a pris des captures aussi durant l'appel et il va me montrer bah voilà en fait placer un réservoir sous le siphon en prévision d'un écoulement potentiel des déchets. Bah franchement là c'est plutôt cool. Eh bien, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette néo-assurance qui se nomme Luco et qui propose, je trouve, en tout cas, du bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, n'hésite vraiment pas à te renseigner bah, parce que j'ai pu voir beaucoup d'avis positifs sur Internet. Et une chose très importante auquel je ne t'ai pas parlé concernant Luco, c'est en fait, on va retrouver un système de give-back qu'ils ont aussi mis. D'ailleurs, tout est bien expliqué sur leur site Internet. C'est-à-dire que globalement, 30% des cotisations mensuelles sont dédiées aux frais de gestion de Luco et 70% des cotisations vont dans le pot commun pour rembourser les sinistres. Et c'est très important, mais s'il reste de l'argent dans le pot commun, eh bien à la fin de l'année, il est reversé à 4 associations. En fait, le montant reversé par exemple l'année dernière est de 102 000 €. Et petite information supplémentaire, c'est que Luco est une entreprise certifiée B Corp. Par exemple, on retrouve aussi Nature et Découverte qui est aussi certifiée B Corp, c'est-à-dire qu'elle atteste en fait leur engagement sociaux, environnementaux et leur effort de transparence vis-à-vis de leurs clients.
N'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Je vais aussi te faire afficher sur l'écran mon code de parrainage. Donc c'est Christo Lyonnais et qui permet d'avoir 2 mois gratuits ici avec l'assurance habitation Luco. Donc autant en profiter. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.